Rebonjour ou bonjour, parce qu'on s'est vu la semaine dernière, mais de nouveau, nous sommes à l'émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir de nouveau. Comme à l'habitude, on est à la maison Félix Leclerc. Aujourd'hui, on reçoit une artiste de l'animation, une professionnelle depuis longtemps, une personne impliquée dans son milieu, puis dans le milieu culturel aussi. Parce que notre émission est consacrée aux arts et à la culture. Alors, Nathalie Poirier, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un Bienvenue. plaisir. Un Bienvenue. plaisir. Merci de m'accueillir. Ben, on est là pour ça, puis ça nous fait vraiment plaisir. Nathalie, j'ai l'habitude d'accueillir les gens en leur demandant un petit peu d'où ils viennent. OK? Puis combien de temps ils sont ici, c'est ça, les origines de leur petite histoire, quoi. Alors, d'où es-tu? D'où es-tu? C'est une bonne question. On pourrait parler de ça longtemps, mais physiquement, je suis née à Gatineau, dans l'hôpital de Hull, en fait, à OK. côté. Et vers l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé à l'Île-Bizard. Donc, j'ai grandi. Je suis une petite fille de l'Île-Bizard, donc de l'ouest de l'île. Et pour moi, Vaudreuil-Dorion, à l'époque Vaudreuil, Ouais. c'était de venir rendre visite à mon grand-oncle Gérald et surtout à ma cousine d'amour Pascale. Alors, moi, j'avais l'impression de traverser quelques champs puis d'arriver à leur maison sur la rue Ouimet. Alors, pour moi, Vaudreuil-Dorion, c'est la rue Ouimet. Puis c'est ça. Puis un jour, j'habitais à Montréal avec mon copain qui est mon conjoint aujourd'hui. Puis on voulait déménager, avoir une famille, puis rester quand même près de Montréal. Puis on s'est dit, bon, le train, où est-ce que je peux me permettre une maison? On recule, hop! OK, Vaudreuil-Dorion. Puis j'avais une amie aussi qui habitait ici. Alors c'est comme ça qu'on a choisi. Sans savoir, en fait, qu'on débarquait dans une ville tournée vers les familles, qui allait avoir un fort impact sur notre consommation de la culture. Puis on pourra s'en parler tantôt si tu veux. Oui, parce que oui, c'est une originalité de notre bout de territoire, absolument. Puis, alors, ton parcours, parce que qu'est-ce qui. Je sais que tu as été. Tu as travaillé dans de nombreux médias, puis ça, c'est intéressant de connaître le chemin que tu as fait. Tu sais, alors, bon, quand on s'est parlé précédemment, tu m'as dit, ben, j'ai travaillé à C'est quoi? J'ai travaillé à telle télévision, telle autre. J'aimerais ça que tu nous racontes ça. Tu nous racontes ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à où tu es aujourd'hui? Puis tout ce voyage intérieur aussi, parce que c'est beaucoup ça. C'est vraiment un grand voyage intérieur. Oui. Moi, je suis comme tombée dans la soupe des performances. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je faisais des spectacles à ma famille. Je ne sais pas combien de fois on se réunissait, les cousins-cousines, dans le sous-sol. Et puis là, je devenais la maître de cérémonie, évidemment. Je m'octroyais ce rôle-là. Je m'octroyais le jeu de drum. À la batterie, c'était moi qui devais faire ça. Puis là, je donnais des rôles à mes cousins-cousines. Puis j'étais dans une chorale. Fait que là, je leur enseignais une chanson. Je vous demanderais un service, OK? Le service, ça serait de ne pas parler pendant qu'on chante. Ici, c'est une place pour écouter. Je vais vous raconter une petite histoire. T'étais la plus vieille dans le groupe J'étais ou toujours quoi? la plus vieille, Ah, c'est pour effectivement. ça. OK, ça aide. Ça aide au leadership, mais je pense que j'avais ça un peu en moi. J'étais le genre de petite fille qui se faisait traîner un peu partout par ses parents. Puis, par exemple, quand on allait au salon de coiffure, je me cachais dans le garde-robe, je ramassais des foulards et des tucs par terre. Et je sortais, puis là, je me donnais en spectacle aux dames qui étaient là. Donc, tu sais, la gêne, ça n'a pas vraiment fait longtemps partie de moi. Non, ça n'a pas l'air. Non, j'ai fait plein de concours d'art oratoire. J'ai fait le Miss Teen Montréal que j'ai gagné aussi la deuxième année que j'ai participé. Alors, j'ai constamment eu à performer sur scène, ce qui m'a permis de, je dirais, apprendre à gérer l'adrénaline parce que je suis encore stressée, je peux encore tu sais, vivre le trac, mais j'ai vraiment appris à l'utiliser comme levier.
puis à être à l'aise avec, avec ça. Donc, c'est drôle parce que je suis pas stressée à animer dans une grande salle. Je sais pas, j'ai animé au Métropolis devant 5000 personnes. J'ai quand même beaucoup d'expérience de scène. Pas stressée, un peu le trac avant, mais juste assez pour être, être performante. Mais en triathlon, par exemple, stressée comme ça, ça se peut pas. Puis je me retiens d'en faire autant parce que je suis trop stressée dans l'eau. Fait que c'est drôle comment le track, on choisit pas où est-ce qu'il apparaît, puis que, où est-ce que ça devient presque incontrôlable puis désagréable, là, tu sais. Mais est-ce que tu étais poussée par ta famille, encouragée par ta famille dans cette voie-là? Bien, en fait, oui. J'ai eu une famille qui m'encourageait beaucoup, mais jamais qui m'ont demandé de faire des spectacles. Là. C'était vraiment en moi. T'sais, je veux dire, mes parents, ils revenaient de travailler, puis j'avais à trouver le téléphone pour appeler à minibus, pour que notre école, notre classe soit à minibus. T'sais, c'était ça, je voulais faire ça dans la vie. Je voulais être comédienne, je voulais être actrice. Dans ce temps-là, on ne parlait pas d'être animatrice ou reporter. Et j'avais toujours voulu faire ça. Puis dans ma famille, il n'y a personne qui est artiste. C'est plutôt tous des entrepreneurs, des gens, ma mère à la banque, mon père chez Chrysler, a eu un concessionnaire automobile. Tu sais, c'était des gens plutôt sérieux. Puis mon père me donnait quand même un bon conseil. Tu sais, il m'a dit, Nathalie, on comprend, tu sais, puis on honore ce que tu veux être, mais on te recommande de suivre quand même ton impulsion d'aller te chercher un bac. Tu sais. Okay. Tu as l'air d'être une fille qui organise plein de choses. Pourquoi tu n'irais pas au HEC? Puis c'était pas loin de moi. Tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'aller. J'ai fait, OK, comme ça, j'aurai de quoi retomber dessus si jamais la carrière en télé, en radio, ça fonctionne moins bien. Okay. Donc, ça m'a donné comme une assurance. C'était pas loin de moi parce que j'organisais déjà beaucoup de choses. Donc, des études supérieures au HEC, t'as un baccalauréat ou une maîtrise en administration? Oui, en marketing, exactement. Je suis en ce moment encore aux études. Je suis en train d'aller chercher mon diplôme de deuxième cycle au DESS en communication. Ça faisait maîtrise, ce deuxième cycle. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent. OK, oui. Et puis, j'aime ça apprendre. Donc, ça me nourrit, puis ça nourrit aussi mes idées pour les clients, puis voilà. Oui, mais OK, mais là, on parlait des médias. Moi, j'aimerais ça voir ton cheminement là, à travers ta carrière. Donc, quand j'ai fini mon baccalauréat, j'étais inscrite à la maîtrise à ce moment-là, mais dès les premiers jours, je me suis rendue compte que j'essayais de me prouver quelque chose, que je n'étais pas là pour les bonnes raisons, puis que je m'en allais faire des chiffres. Au HEC, la maîtrise en marketing, elle est très chiffrée, ce qui était de plus en plus loin de moi. Puis là, j'ai tout arrêté ça. J'ai fait, OK, regarde, je sais que je suis capable de la faire. Accepté. Je me suis dit, va travailler un peu, puis peut-être que ma maîtrise va prendre un autre sens quand je serai rendue là. Ouais. Et puis, à ce moment-là, ben, j'avais une amie qui était déjà à C'est quoi? Opportunité, fait que j'envoie mon CV, je rentre, mais à Ciel, qui était la petite sœur. C'est dans le même édifice, le même propriétaire. Okay. Fait que Ciel FM, qui est vite devenu Cool. Donc, j'ai participé au lancement de la nouvelle station radiophonique Cool FM, qui était encore plus jeune. Donc, tout le créer l'image, l'identité de marque, tout ça. OK, mais tu faisais quoi, là? Fait que là, j'étais coordonnatrice au marketing et aux promotions. OK. Puis, j'ai été là pendant un an et demi. Quand même, assez rapidement, on est venu me chercher à C'est quoi. Là où je suis devenue coordonnatrice à C'est quoi, puis vite directrice aussi du marketing et des promotions. Donc, je suis encore au début de la vingtaine. Fait que ça a monté vraiment vite. Et ouais. Comment? Oui. Mais j'avoue que je dédiais tout mon temps à ma carrière. C'était mon puis j'étais passionnée par ça, mais il manquait quelque chose. À force de côtoyer les Normand Brathwaite de ce monde, à cette époque-là, c'est lui qui animait, Patrice Lécuyer, François Morancy, ouais, c'était presque de des amis, tu sais, on se côtoyait, ouais. Ils rentraient dans mon bureau, tout ça. Je les enviais un peu quand même de faire ce que j'aurais toujours voulu faire. C'est ça, toute ton enfance remonte, l'envie ouais. d'être à l'avant-scène. Exactement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fais OK, puis là, j'apprends qu'il existe une école qui s'appelle Promédia, une école privée, où on va faire des cours de radio et de télé. Et je mijote tout ça, puis j'ai le goût de l'aventure parce que je trouve que j'ai eu une éducation tellement parfaite. Des parents qui s'aiment, j'ai l'impression que j'ai rien vu de la vie, puis que là, je suis vite en train de ramasser des sous pour m'acheter une maison. Puis je me dis, mais ça se peut pas, là, j'ai 20 ans, j'ai rien fait. Fait que j'ai envie de partir en voyage pour un an. Donc, je me ramasse des sous, j'en parle à mes parents. Puis... Mais c'est quoi à ce moment-là? Oui. Tu as un poste important, mais ouais. Déjà, tu as envie. Je suis prête à tout lâcher.
OK, wow! Donc, okay. J'ai décidé de tout lâcher. C'est un choix vraiment courageux. Bien, en tout cas, c'était pour moi le seul choix. Il me manquait quelque chose. Je sentais vraiment une espèce de trou vide à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Puis je pense que c'était l'appel à être encore plus sur mon X, puis à écouter encore plus mes valeurs, puis à me sortir de quelque chose qui est en train de m'aspirer. C'est comme si je sentais qu'on était en train de m'aspirer dans la vie d'adulte, puis j'avais pas envie d'y aller tout de suite. T'sais. Je me disais, Colin, il me reste encore plein de choses à réaliser. Ça peut pas être juste ça, la vie. Je commence à travailler, puis c'est fini, genre une famille. Puis... Mmh. Donc, j'ai décidé, puis je me souviens, à cette époque-là, j'habitais à Brossard. On s'était rapproché du concessionnaire de mon père, puis j'habitais dans une ville, ou surtout dans un quartier où il y avait beaucoup d'Asiatiques. Et je les trouvais tellement loin de moi, puis intriguants, puis difficiles à comprendre parce que nos valeurs puis nos façons de faire étaient tellement différentes par rapport à la culture, au voisinage, à la camaraderie entre les voisins. Est-ce qu'il y avait une connexion ou vous étiez comme tout. Deux mondes? C'est sans généralité, mais ceux que je côtoyais, ils étaient plutôt isolés. Tu sais. Et je me suis dit, si j'ai allé en voyage, je vais aller les comprendre. Je veux savoir c'est qui ces gens-là, pourquoi ils sont comme ça, puis peut-être que je vais découvrir qu'ils ne sont pas du tout comme ça aussi. Puis j'avais une amie qui travaillait en Chine, à Shanghai, et puis je me suis dit, tiens, ça sera mon ancrage de départ. Donc, je suis partie le 27 décembre. Et mais puis, ton projet, c'était quoi, là? Parce que là, tu avais laissé ton... Le tour du monde pendant un an. Le tour du monde? Pendant un an. Oh! Oui. En solo? En solo, mais je savais que je n'allais pas être en solo longtemps. Je me disais, je vais sûrement rencontrer des gens. Bien, le fait est que quand on est en solo, on est particulièrement ouvert puis oui. Les occasions se présentent. Oui, il faut se forcer pour ne pas être seul. C'est, plus, okay, c'est bon. Plus ça, parce qu'on côtoie tellement de gens intéressants ouais. Qu'il ouais. Faut un effort d'être seul. Mais donc, c'est ça. Je suis partie, puis j'ai fait la Chine, le Laos, la Thaïlande, mais de l'Est. Je fuyais les touristes. Je voulais me tenir là où il y avait le moins de touristes possible pour vivre une expérience la plus authentique possible, près des gens, près de la culture. Apprendre la langue, goûter à des choses que j'aurais pas goûté autrement. Là, tu... OK. À Brossard, c'est beaucoup des Chinois, je veux dire. Ben, pas seulement que ça, mais okay. C'est vrai qu'ils sont reconnus. Il y a un quartier particulièrement. Mais est-ce que ça a créé l'ouverture que tu voulais? Est-ce que tu as connecté avec les cultures asiatiques? Tellement. Aujourd'hui, okay. Puis c'est particulier parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher dès que je vois une personne asiatique près de moi. Tu sais, j'ai eu à les côtoyer dans des comités de francisation ici dans la région. C'est vers eux que je vais en premier. Tu sais, je leur dis ni hao, je me rappelle encore de quelques mots, mais maintenant la connexion, elle est instantanée. Là, puis eux autres sont souriants, sont surpris que je puisse dire un mot ou deux. Fait que ça m'a beaucoup rapprochée de cette culture-là. Puis ils sont hyper sympathiques, ils ne sont pas du tout comme je les percevais à Brossard. Je pense qu'à Brossard, ils étaient tellement isolés de d'autres personnes comme eux. Donc, dans ce temps-là, je pense que tu te retrouves en famille puis tu privilégies ton nid, tu sais. Fait que tu as moins le goût de toujours être confronté à la culture de l'autre. Puis quand tu connais pas l'autre... T'sais, quand tu n'as pas un lien privilégié avec une personne de haute culture, ben, ouais, tu restes avec beaucoup de préjugés. Si tu es dans une ville qui ne crée pas des occasions ouais. Pour qu'on se rencontre, ici, ouais. On est chanceux, mais à Brossard, ouais. À l'époque, aujourd'hui, je pense pas que c'est comme ça. T'sais, pour y être retourné puis même les avoir comme clients, c'est plus du tout la même mentalité. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. C'était chacun un peu pour soi. Depuis ce matin, les mots me manquent pour décrire le feeling d'être juste près du stage. Je ne suis pas encore là, encore dedans, mais c'est comme si on avait le souffle coupé, puis coupé, puis en même temps rempli. Je trouve ça... Je trouve ça difficile ce matin. Je trouve ça... Donc, ça a eu l'effet que j'ai eu envie, mais j'ai pas fait mon tour du monde. J'ai pas voyagé. J'allais te demander les autres pays. Là. Ben, là, tu vas parler de Laos. Laos, la Birmanie, ça a été quelque chose. Ça a été toute une expérience. Puis en Birmanie, ben, j'ai été rappelée à la maison parce que mon papa était très malade.
Donc, je le savais avant de partir. On se demandait encore qu'est-ce qu'il avait. Puis pas longtemps après que je sois partie, on a su, puis il voulait pas que je revienne. Puis il m'a dit, Nathalie, tu vas pas me prendre par la main, puis attendre que la maladie se dégrade, tu sais. Va faire ton voyage. Puis on s'était fait une promesse que j'allais être appelée avant là, que mon papa soit trop malade. Et finalement, je suis revenue un bon mois et demi avant qu'il décède. Fait que j'ai été son infirmière. Et puis ça a été vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit, hey, on a juste une vie à vivre. Ouais. Si on ne se donne pas la chance de faire ce qu'on a vraiment l'impression qu'on est né pour faire, alors qui va? Il y a personne qui va te tenir la main pour t'amener sur le bon chemin. Fait que le décès de mon père m'a permis de m'apporter en fait la réalisation qu'on tient tous par un fil et qu'aujourd'hui, on devrait être en train de faire un petit pas, ne serait-ce qu'un tout petit pas, dans la direction de nos plus grands rêves. Alors, c'est ce que j'ai fait quand je suis revenue après le décès de mon père. J'ai fait l'école ProMédia, je suis allée porter mon CV à Flash, puis là, la carrière a commencé. OK. Tu veux dire que là, ton voyage a duré combien de temps? Quatre mois. Ça a été suffisant pour reconnecter avec tes vrais besoins. Puis quand tu es revenu, puis tu as passé cette période-là avec ton père, tu as continué à cheminer, j'imagine, intérieurement. Mm-hmm. Puis après ça, tu étais prête poursuivre ta voie. Donc, c'est à cette époque-là, c'est ça que tu me dis, que tu étais à l'école de formation. Donc, 22 ans à ProMédia, je fais l'école de radio ProMédia, où j'ai rencontré Patrick d'ailleurs. Donc, ça a vraiment changé ma vie, cette école-là. Eh oui, de plus d'une façon. De plus d'une façon. Et puis, c'est ça. Après ça, rapidement, comme j'avais rencontré plusieurs personnes du milieu, bien, j'ai pu faire un démo, donc un exemple de comment je suis comme reporter avec des vraies vedettes. Donc, dans mon démo, il y avait François Morancy, Patrice Lécuyer. Donc, les gens, c'est quoi? D'interviewer ces vedettes-là. Donc, ouais. Quand je suis allée porter ça à Flash, à l'époque, à TQS, qui était une émission où on rencontrait les artistes, ouais. Bien, là, ils ont pu me voir vraiment à l'œuvre. Là. Tu sais, c'était très. C'était très transférable. J'ai décroché le boulot. Okay. D'ailleurs, ma première entrevue test, c'était dans un spectacle où, à la fin, on essayait d'aller rencontrer Jean Leloup. Et Jean Leloup ne donnait plus d'entrevue. Ça faisait déjà un bon moment. Et puis, il n'était pas question. Il avait essayé, puis il avait dit non, puis tout ça. Puis mon caméraman, il m'a dit, « Si t'es game, je te suis. » Il dit, « Ne sous-estime pas le pouvoir de la momotte jaune. » Momotte jaune, donc le par-dessus là, sur le microphone. Là. Okay. Donc, ouais. Fait que là, j'ai du guts dans la vie, tu sais. Fait que je comprends en lisant les sous-lignes qu'il me dit fonce. Comme si on avait toutes les permissions de rencontrer Jean Leloup, puis il dit je vais te montrer son haut les coulisses, puis tu rentres, tu fais comme si tu avais un rendez-vous. Je dis OK. Fait que je rentre, je flash la momotte jaune, les gens me laissent passer. Je suis devant Jean Leloup, commence à l'interviewer et son équipe fait « Non, 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 t'es pas supposé. » Jean Leloup, il dit « Come on, là, elle commence dans la vie. Moi, je vais lui donner sa chance. Continue, Nathalie. » Fait que là, c'est super! Ça a été génial. Ça a été écœurant, vraiment. Est-ce que c'est un homme facile à interviewer? Ben, ça dépend des moments de sa vie. C'est ça, parce que il me semble qu'il peut être surprenant, là, puis ça peut tourner court. Puis oui. Ça, en fait, il a été très surprenant. Il a commencé à chialer sur son batteur, qui disait qu'il n'avait pas le rythme ce soir, puis tout ça, puis il l'a niaisé un peu. Fait que, pour moi, à ce moment-là, je réalisais que c'était du bonbon. Je réalisais qu'il était complètement dans sa tête, puis qu'en ce moment, non seulement j'avais accès à quelqu'un que je n'étais pas supposée, fait que je me disais, quand je vais ramener ça au bureau, ça va être chouette, ils vont être contents de moi. Puis en plus, il était dans une grande forme, il était explosif, dynamique, intéressant, captivant. Fait que là, je sais comme continue. J'avais presque rien besoin de demander comme question, il était lancé. Fait que j'ai pu intégrer l'équipe de Flash. Donc pendant 3 ans, j'ai fait trois ça. 3 années? Rencontré, t'as admis. Okay. C'est une émission hebdomadaire, ça, j'imagine? C'est ça. OK. Puis j'ai été, dans le fond, à Hollywood souvent pour rencontrer les vedettes américaines. On appelle ça des junkettes. Donc, on voyait un film avant qu'il soit sorti, puis après ça, on rencontrait les vedettes du film. Donc ça, j'ai fait ça aussi pendant toutes ces années. Donc, tu faisais aussi des interviews en anglais?
Oui. Parce que t'as pas... Puis c'était traduit en ondes, c'est quoi? C'était doublé traduit, en ondes? J'amenais ma propre traduction parce qu'on traduit dans le sens, pas nécessairement dans le... Dans les mots. Dans les mots justes, ouais, exactement, pour que ça se lise bien à la télé, tout ça. Fait que... Okay. Non, non. 3 années à TQS. Oui. Mais c'est ça. Mais bon, TQS, c'est une des télévisions, parce que je pense que tu les as toutes faites, là, les Non, bien, j'ai fait seulement TQS, puis après, t'as pas fait j'ai TVA, fait... J'ai fait non, j'ai pas fait TVA, mais je suis... J'étais sur l'équipe B, donc l'équipe de reporters moins connue à Flash. De Flash. À Flash. Okay. Et à un moment donné, à force d'être sur l'équipe B, tu as le goût d'être sur l'équipe A, c'est normal. Ouais. Et puis donc, à un moment donné, il y a eu une opportunité à Radio-Canada pour passer à la radio, donc devenir animatrice à bande à part. Et j'ai postulé, auditionné et finalement, je l'ai eu. Et là, ça me permettait de tomber sur l'équipe A. Et de façon officielle et permanente et récurrente. Puis ça, les bandes à part, c'est vraiment quelque chose de spécial. Bien, en fait, c'est qu'on passait à un certain créneau le vendredi soir à l'équivalent d'Espace Musique qui est devenu ici, Musique, mais et on était à plein temps sur Sirius. Donc, pendant vraiment toute la journée, il y avait des animateurs sur Sirius dont je faisais partie. Moi, j'avais l'émission du matin. Et on avait le plaisir de faire découvrir aux auditeurs de la musique francophone québécoise ou francophone canadienne le plus possible. Donc, c'était plutôt rare qu'on passait de l'anglophone. Donc, j'étais vraiment concentrée sur les artistes émergents et ça, c'était du grand bonheur pour moi. Tu as dû faire beaucoup de belles découvertes. Est-ce que tu avais aussi l'occasion de les interroger, d'avoir des entrevues avec eux? Oui. Bien, moi, c'est ça mon dada, les interviews. Bien, c'est ça. Je trouve pas mal bon d'ailleurs. Merci. C'est le fun. Mon Dieu, c'est comme tout. Faut juste s'intéresser aux gens. Je suis juste curieux. C'est ça, le secret. Voilà. Et j'ai amené à l'émission mes liens, mes contacts de l'industrie. Donc, j'ai quand même reçu Marc Labrèche. J'ai reçu des artistes qui parce sont pas nécessairement TQS, musiciens. Marc, pourquoi c'est un lien? Comment tu l'as rencontré? Ben, parce qu'à Flash, j'ai rencontré des gens de tous les milieux. Ben oui, absolument. Donc, j'avais encore ces contacts-là. Puis, j'avais envie de parler de musique, mais avec des gens qui n'en font pas nécessairement pour voir un peu où est la musique dans leur vie. Quand est-ce qu'il en Marc Labrèche, ça a dû être drôlement intéressant. C'était vraiment ça. C'est un personnage. Personnage, mais cet artiste-là, là, il y a un je ne sais quoi. Il est tellement charismatique. Là. Ouais, il donne chaud. Ben oui, c'est ça. Puis c'est tellement surprenant comment il aborde les choses. Puis, en tout cas, il est unique. Oui, il est unique. Il est vraiment, c'est un artiste unique. Ouais. Donc c'est ça. Puis à Radio-Can, j'étais là pendant peut-être 5 ans. Fait que j'ai fait des remplacements. J'ai remplacé Monique Giroux une semaine qui va rester marquée dans ma tête. Là. Ça a été une de mes plus belles semaines. Je revenais à la maison cette semaine-là que j'ai remplacé Monique Giroux. J'étais en studio, j'avais des performances live. Je revenais puis je pleurais de joie. Je pleurais de bonheur. Je me disais, je peux pas croire que je fais ça. Je peux pas croire que je suis payée pour faire ça. C'était le moment où j'étais vraiment la plus heureuse. Okay. Juste à ma place. Puis aussi des commentaires des techniciens. Tu sors d'où, toi? Puis comment c'est comme ça qu'on n'a pas entendu parler de toi avant? Puis, fait que c'était vraiment un beau moment. Ouais. Puis, mais aujourd'hui, tu as une entreprise dans la région avec Patrick, ton compagnon. Mais c'est plus tout à fait la même chose. Là, tu as pris une nouvelle direction dans ta vie. Bien, en fait, à Radio-Can, il y a eu des grosses coupures en 2009. Ouais. Et Bande à part n'a pas été épargnée. Donc, toute l'équipe de Bande à part, tranquillement, pas vite, s'est dissoute. Et puis, j'ai fait partie des premières parce que j'avais moins cumulé d'heures parce que j'avais eu 2 congés de maternité. Hein. On tombera pas là-dedans. Là. Ma militante va sortir. Mais disons que quand on est une femme, on a encore des avantages pour plein de raisons. Donc, j'ai été la première coupée sur l'équipe, en plein congé de maternité d'ailleurs. Et comme j'étais à la fin de mon congé de maternité, ben j'avais même plus d'assurance emploi. Donc, je me suis ramassée rapidement à plus de salaire. Mais ça, je pense que c'est un levier quand on y pense puis qu'on se prend un petit peu de recul. Ça t'oblige juste à agir sans trop réfléchir puis à
patiner, à foncer, puis à pédaler fort, fort. Oui, mais des fois, la panique est pas... Si on panique, là, des fois, c'est pas toujours la meilleure des conseillères. Non, effectivement, mais il n'y avait pas vraiment panique. Je pense que j'avais déjà commencé à faire un peu de vidéos pour des copains qui avaient une entreprise. Puis Patrick a toujours beaucoup, beaucoup filmé. Donc, ouais. À Flash, comme j'étais réalisatrice... Est-ce qu'il était journaliste encore? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, il était encore oui, journaliste. Mais est-ce qu'il faisait de la vidéo dans le cadre de son travail ou c'était juste l'écrit? On a fait de la vidéo pour les journaux locaux, mais je pense que c'est par la suite, là, dans le temps. Là, je pense que c'est oui, après. C'est... Là, oui, c'est en ça. Tout cas, pas très loin, on a commencé à faire de la vidéo pour ce qui est devenu Viva. Donc, j'ai eu une série de capsules qui s'appelait « La marmaille en cavale », entre autres, tout ça. J'ai commencé à faire mes propres reportages ici. Avec quelqu'un qui montait vraiment sur un logiciel en particulier, mais que je guidais, là, que j'expliquais. Un peu comme ce que je faisais à Flash. Fait que ça m'a suivi. Puis je pense que ça a été comme de façon organique que l'entreprise est née, jusqu'à ce qu'un jour, on dise « OK, ben là, je pense qu'il y a quelque chose. Là, on a des contrats sans rien faire, donc on va donner une couleur. » Qu'est-ce que vous faites exactement, Kinescope? Qu'est-ce que c'est, Kinescope? Dans le fond, c'est une boîte de production de contenu numérique. Donc, on est là en guide avant pour vraiment bien identifier quels sont les besoins, à qui on s'adresse, comment on leur parle et où on leur parle. Pour les entreprises, surtout. Oui. Donc, on aide les entreprises à se promouvoir sur les médias sociaux par le biais de balados, de vidéos et tout ça. Donc, on est là autant dans stratégie avant que dans la production audiovisuelle ou audio maintenant, parce qu'on fait beaucoup de balados. Et puis, voilà, c'est un plaisir d'écouter les histoires de tous ces entrepreneurs-là puis de les accompagner dans leurs projets. Ah, c'est ça. Alors, c'est du marketing pour les plateformes Internet, tous les réseaux. Exactement. Fait que dans le fond, je continue à faire des entrevues, mais là, je le fais avec les entrepreneurs ou leurs clients pour parler d'histoires de succès, par exemple. Est-ce que tu fais des choses comme ça, là, un petit peu, là? Tu les rencontres, vous filmez puis vous jasez exactement. Comme ça? Exactement. Tout à fait. Sauf que je vais souvent me retirer pour garder seulement que les réponses des clients, comme ça, ben parce qu'on veut que ce soit court sur les médias sociaux, ouais. Donc on va à l'essentiel. Mais okay. C'est moi en arrière qui les a fait un peu travailler. Écoute, c'est merveilleux. Je suis certain que ça va à merveille puis que ça va poursuivre dans la même direction. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur d'accompagner les gens. Génial. Je te remercie, Nathalie. Oh, mesdames et messieurs, ça a été une rencontre fantastique. C'est merveilleux de jaser avec toi puis de découvrir tout ton chemin. Puis on avait pour longtemps jasé, je pense. On aurait parlé une heure facilement. Messieurs, mesdames et messieurs, franchement, je vous remercie beaucoup. C'est absolument merveilleux. Puis je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à votre émission culturelle régionale, Mosaïque, de C'est sur la télé. Alors, je vous remercie. À très bientôt. Oh, Nathalie. Merci, toi. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile! Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien, connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous